Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e ou 4e vidéo, je sais plus, de ce road trip urbex avec Juliette, Juj'Urbex. Voilà. Et Cédric. Et cela, on vient d'explorer une villa qui était vraiment super belle. J'ai adoré cette maison, dans un style totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les villas de cette région. C'était vraiment trop cool, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur le petit i qui doit être juste là. Il est là, Juliette. Aujourd'hui donc on va continuer notre road trip, diriger vers d'autres spots. On va aller voir si on peut explorer d'autres villas. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de mon site internet codyurbex.com. Sur ce site, je publie des articles de mes explorations, des articles illustrés avec mes photos, des photos que pour la plupart je n'ai jamais postées sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il faut s'abonner à mon compte Instagram, le lien dans la description. Sur ce site, il y a également une boutique dans laquelle vous allez pouvoir acheter des tirages d'art sur 2 supports, soit des tirages fine art encadrés, soit des tableaux sur aluminium d'Ibon. Il y a 5 tailles disponibles, je vous laisserai aller voir les détails dans la boutique. Vous allez également retrouver des produits dérivés de cette chaîne YouTube, des t-shirts, des suites, mais aussi des porte-clés, des stickers. Je vous laisse aller voir ça, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, soyez vigilants parce que j'ai caché un code promo qui vous offre 10% valable sur ma boutique. C'est un code qui est valable qu'une seule fois, donc faut que vous soyez le premier à le trouver et à l'utiliser si vous voulez avoir 10% sur votre commande. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. Abonnez-vous à mon compte Insta, mon TikTok, mon YouTube, regardez, c'est tout là. Hop, voilà. Merci Dylan pour cette pub. Mais de rien. Later. On vient d'arriver sur une petite route qui mène à cette villa. Vous avez peut-être entendu Juliette le dire, c'est la Villa Tropicale. La villa qu'on avait explorée il y a 2 ans, qui nous a fait connaître un peu tous les deux. On est revenu ici parce qu'on nous a dit qu'on pouvait a priori toujours la visiter, alors que quand on était venu il y a 1 an, il n'y avait pas d'accès et c'était en travaux en fait. Il y avait des mecs dans la propriété qui faisaient des travaux. Et là, a priori, il y a plus de travaux du tout, il n'y a plus rien, il ne se passe rien et apparemment ça a toujours été, c'est toujours dans le même état qu'il y a 2 ans. Donc on va tenter d'aller explorer cette ville-là qu'on connaît déjà, que vous connaissez déjà, mais pour l'occasion on voulait revenir ici et voir comment ça avait changé depuis 2 ans. Tu dis qu'il y a une entrée? Ouais. Allez, on va aller voir ça. C'est prêt ou pas à revivre ce moment, mais c'est ouvert. C'est ouvert. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? On est dans le spot le plus mythique de notre chaîne. Oh la vache, il y a une salamandre énorme. Oh là là. Que de souvenirs. On est devant la Villa Tropicale et là, Juliette, on est déjà grillé. Bonjour. Donc voilà. Il était pas avant. Non, il n'y avait rien du tout. Donc on va simplement vous faire 2-3 plans et on se barre en courant. La piscine a donc été nettoyée. C'est un sentier privé pour quitter les lieux, s'il vous plaît, vous pouvez pas rester là. On peut pas faire quelques photos? Vous nous entendez ou pas? Faut sortir, vous pouvez pas rester là, c'est un lieu privé. Vous nous entendez? Vous nous entendez ou pas? Est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez? On vous entend pas à la caméra, mais faut sortir. Hein. Vous pouvez pas rester là. Pas grave. On peut pas faire juste une photo? Une photo? Non mais c'est pas grave. Ah non, je suis désolé, vous pouvez pas rester. C'est un lieu privé, sinon on envoie la police. Là. Pas de soucis. ça tourne mal. Là, vous saurez qu'il ne faut plus aller à la Villa Tropicale. C'est donc la fin de cette vidéo. Non, bien sûr que non, on va aller voir un autre spot maintenant. C'était rapide la visite. Bah oui, j'étais sur la chaise. C'est vrai, t'entends jusque là? Non, sur la chaise. Bon bah, voilà, la Villa Tropicale, c'est mort. Cédric, bon, tu l'auras toujours pas vu. Je l'ai toujours pas vu. Oh là là, c'est pas grave. On va s'en aller avant que... Clairement. Qu'ils envoient la police. Ouais, ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On va voir la Villa Tropicale 2.0. Ouais, du coup, ouais. Et ben du coup, on se retrouve dans une autre Villa Tropicale. Voilà. Là, on est en train d'arriver devant la maison. Il y a des jeunes qui sont pile devant. Non mais eux, c'est sûr qu'ils font des squats, enfin qu'ils soient dedans. On est vraiment devant la maison là. Ouais. Venez, on va les voir. Passer là. Je suis bien à côté, tu leur parles, tu leur demandes, on s'en fout. C'était des jeunes, ils vont pas nous manger. Hein. Ils vont pas nous manger. Alors, on va s'arrêter là-bas, ouais, tu laisses la vitre. Puis... Par contre, du coup, la villa qui avait juste à côté, on l'avait en tchèque et a priori, elle est pas du tout abandonnée. Excusez-nous, vous connaissez la villa qui est juste là? Ah, bah du tout, vous êtes pas. Vous êtes pas... Ah d'accord, non parce qu'en fait on voulait savoir si elle était abandonnée mais vous savez pas du coup. Enfin on sait du coup qu'elle est abandonnée mais on pensait que vous peut-être vous connaissiez. Bah ok, pas de souci, ok. Bon bah merci. On se gare là, on y va, on s'en fout. Ah non, c'est garé là. Oui je pense, il n'y a pas écrit, tu me diras. Oui, il n'y a pas écrit. Bon bah vas-y hein. Cédric a même pas eu le temps de descendre de la voiture. Ah moi je suis remonté direct, je le sens pas ici. Pas du tout. En fait, ouais non c'est vraiment... Non, non. On est dans un quartier résidentiel mais ça a l'air d'être assez... Un beau quartier, tu vois. La rue, ça ressemble à Los Angeles. Regarde, en fait, il y a une ficelle pour pas marcher sur le trottoir. Je pense que c'est pour faire pousser l'herbe. Et du coup, il y a des gens qui sont garés le long de la route et tout. Je pensais vraiment que c'était pour nous. Et le mec derrière. Là, par contre, ils ont regardé la voiture. Oui, bah, donc, j'étais en train de sortir mon sac du coffre et il y a deux motards de police qui sont passés. Ouais. Donc pour éviter qu'ils repassent pendant qu'on escalade le mur, on va tout simplement partir. De toute façon, donc c'était une villa qui ressemblait à la Villa Tropicale, mais elle est toute taguée. Donc demain. Si réellement, si vraiment on la fait pas, c'est pas trop grave. Si, elle avait l'air trop stylée. Moi je veux la faire. Elle est stylée, mais c'est pas grave parce qu'on a déjà fait des trucs ultra cool. Oui, mais non, moi j'ai. Mais ça serait bien qu'on puisse la faire aussi. Ouais, non. Faut donc on va demain, demain si on retourne ici. Parce que notre Airbnb n'est pas très loin. Donc ouais, en attendant, on va déjà aller voir un autre spot. Franchement, demain matin, viens à l'aube. Il y a rien qui se passe bien dans cette vidéo. On commence à partir, on appelle les flics, on arrive, il y a déjà les flics, on n'est pas arrivé. Ils étaient juste en haut. Hein. Ouais, oui, touristes. En fait, je sais pas ce qu'ils cherchent quelque chose. Je pense en fait ils font simplement une ronde normale. Ils font des rondes. Et puis ils étaient juste en haut, là on a fait demi-tour. Hein. Donc on a bien fait de ne pas rester là. Ouais. Je pense juste ils font, c'est la police municipale il me semble, ouais. Donc ils font juste regarder, ils regardent juste que tout se passe bien et voilà. Donc Cédric a été voir là si on peut passer par le petit chemin qui est sous le côté parce que par devant c'est clairement impossible. Il y a des barreaux qui vont jusqu'à je sais pas où avec des pics au-dessus vous voyez. Donc ça sera impossible de rentrer par là. Par en bas il y a des villas donc c'est mort. Donc le seul moyen d'accéder c'est peut-être par ce petit chemin. Et Juliette du coup a été voir la vue, elle m'a carrément abandonné. Donc moi j'attends dans la voiture. Bon c'est pas grave, il fait beau. Grand ciel bleu. Il fait chaud. Je crois il fait 18, 17. Voilà je profite. C'est la petite pause de la journée. Parce que depuis ce matin on n'a pas arrêté de bouger. J'aime bien cette vie. Je sais pas ce que vous en pensez mais il y a pire comme métier je trouve. À défaut de pouvoir explorer des villas aujourd'hui, on les regarde de dehors. Hein, on explore les routes des villas. Carrément. Voilà. Et il y a des sacrées belles baraques. Hein. Vraiment, c'est hallucinant. Il y a des murs à 3 mètres, et bien sur les murs à 3 mètres, il y a des haies encore plus grandes. De 3 mètres. Oui, c'est ça. C'est dans la bulle le truc. Bon, là, on est devant la maison qu'on devait aller check. Elle est juste là. Donc, elle est bien abandonnée. Par contre, il y a un message qui est. Un peu plus clair sur la porte qui nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette maison sous peine de poursuite et de 3 mois d'emprisonnement et 3700 je sais pas combien d'euros d'amende. Du coup ça nous intéresse pas trop. C'est dommage parce que c'est vraiment à l'abandon pour le coup. Alors est-ce que c'est abandonné ou est-ce que c'est un truc qui va être en rénovation je sais pas. Mais ouais ça a l'air immense. Et derrière il y a une vue mais attends mais laisse tomber encore un truc de fou. Je sais pas si vous allez voir bref. En tout cas, il y a du potentiel pour cette maison. Ça assume pas la décapotable. Non mais vas-y, laisse la décapotable. Oh là là. Ah. Moi je m'en fiche, je fais ce que tu veux. Ah mais vas-y, t'inquiète, laisse. On va voir les Airbnb. Ouais, on va me donner l'adresse. Je vais te donner l'adresse. Oh, Juliette, elle donne des adresses. On va pouvoir explorer un truc, comme aujourd'hui, ça sera notre Airbnb. Super drôle, hein. Super drôle. Allez, on adresse. Oh, le gros plan. Hop. On arrive devant notre Airbnb. Ok, super. Ah, vas-y. Vous êtes dedans ? Super, on est dedans. Ah, bah, merci beaucoup. Ok, super. Alors, posez vos affaires, je vais vous faire faire le tour de l'appartement. Je vais être rapide, vous en doutez. Voilà donc dans notre Airbnb. Franchement, salle de bain en plus. Je sais plus si on avait fait le tour de l'hôtel hier. Si, je crois, je sais plus. Peut-être. Là, nous sommes dans un Airbnb parce que la nuit dernière, on n'avait pas réservé. Pas mal le Airbnb, hein. Franchement c'est cool, et la salle de bain est ultra propre, hein. La douche a l'air toute neuve. Ah ouais, ouais. Je vais passer 3 heures dessous. En vrai c'est cool parce que... L'écologie, Dylan. Pardon, excusez-moi. On va faire quoi? On va se promener? Je ne sais point. Cédric, qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Bon bah faisons je sais pas quoi alors. J'ai l'impression qu'on va souvent à la plage. Ouais, souvent ensemble, ouais. Oui. Pas pour des vacances, mais... Je suis en train de me dire qu'avec le couvre-feu et le confinement, je sais pas si on a le droit d'aller sur la plage. Mais a priori, il y a des gens dessus, donc... on va dire qu'on peut. Juliette et Gaga, ça y est. Oh là là. Tout le monde la prend pour une folle. Rappelle-nous quel âge t'as, Juliette? 10 ans. Ouais, c'est ce qui me semblait, oui. Plus 13. J'aurais dit 9, mais ouais, ok. On a parlé 45 minutes pour ma FAQ. On avait trop de choses à dire. Je me suis caillé pendant 45 minutes. J'en pouvais plus de... On répond à une question un peu... Une question qu'on nous pose tout le temps. Oui. Est-ce que on prend un lit ou deux quand on part en road trip? Est-ce que tout simplement nous sommes en couple? Eh bien... vous le saurez dans ma vidéo. Mais de toute façon, vous savez tous déjà. Hein. Vous avez tous votre avis là-dessus. Vous verrez. Allez, donc on retourne à Airbnb. Je pense que ça sera mieux si je parle comme ça. On retourne à Airbnb du coup. Je propose que la vidéo s'arrête tout de suite. Puis on se retrouvera donc demain matin. Enfin du coup la semaine prochaine pour vous, jeudi prochain 18h30. Pour la suite et la fin certainement de ce road trip. Toujours accompagné de Juliette. Abonnez-vous, abonnez-vous à son compte, abonnez-vous à son compte Insta, à sa chaîne YouTube. Laissez un gros pouce bleu, un petit commentaire. Et puis... son TikTok. Et puis du coup on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao.